Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne pour un nouvel épisode sur Final Fantasy VII. On est de retour dans la grotte nord et on va s'occuper de ramasser un petit peu tout ce qui s'y traîne. On s'est donc pour ça rendu au premier embranchement, là où on a commencé à se séparer avec notre équipe, sachant qu'on peut trouver 4 chemins différents au total. On a commencé par aller du coup à gauche, en envoyant d'autres personnages évidemment à gauche et d'autres personnages aussi à droite. Donc là, je me rends à gauche. Et là, on avait pris, si je ne m'abuse, le chemin qui est en haut. On va prendre cette fois-ci celui que Cid avait pris, vers lequel on l'avait envoyé, et duquel il a ramené qu'une seule récompense. Bref, c'est parti. Donc normalement, dans ce chemin, on devrait trouver un coffre ouvert, a priori. Ah bah, le voilà. Le fameux coffre ouvert. Donc lui, il a juste récupéré celui-là. Hein. Et je pense qu'il y en a un paquet. Hein. Donc potion X, ok, parfait. C'est tout pour ici. Ok, alors... Allez, un truc à droite. Ah non, pas eux. On se tire. Alors apparemment je peux pas descendre de ce côté. Ah, je peux passer derrière. Je crois que je vérifie mes matériaux aussi parce que je pense que j'en ai maxé. Ça s'est ramassé, alors. Rien à signaler ici. Bon, restaurer, je la bouge pas. Hein. Et voilà, Odin. Merde alors. Ça se trouve, ça fait un moment qu'elle l'est en plus. Bon, je pense pas trop parce que ses copines, elles sont pas maxées, notamment Léviathan. Je l'ai pas eu juste après Odin en même temps. Hein. Alors, les turbo MP aussi, elle était au max. Du coup, j'ai un petit peu perdu de temps sur ces deux-là. Eh, hey, presque tout, hein. Ok. Bon, faut pas que je lance Typhon parce que... Je vais me la lancer deux fois. Materia riposte magique. Je sais plus ce que c'est comme couleur, ça. Du bleu. C'est du bleu. J'en ai pas déjà une comme ça? Non. Si, j'en ai une. Ah ouais, faut carrément pas que je la mette, hein. J'ai dû l'avoir au Gold Saucer. Alors là, il y a un truc en bas, ok. Va falloir que je remonte, je pense. Ok. Ether Turbo. Je sais même plus par où j'étais descendu de toi là. Hein.
Voilà. On se barre. Une potion X à nouveau. Comment on descend là? Ah voilà. Ah oui, ça, je sais ce que c'est comme Mataria. Il faut arriver à appuyer au bon moment, en fait. Voilà. Parce qu'en fait, il saute automatiquement sur l'autre plateforme. Alors... Voilà, ça fait tout sur toutes les commandes équipées. Donc ça évite de mettre une Mataria tout sur toutes les matas de type commande. Donc en gros là sur un personnage comme ça je mets juste la Mataria Omni tout et ça affecte toutes mes Mataria de commande ici. Quand même assez abusé. D'ailleurs est-ce que je la mettrais pas en... Laquelle est bientôt augmentée? Je vais virer celle-là, je la montre avec Cloud avec le x3. Hop, et on récupère ce coffre. Et je crois qu'on en a terminé de ce côté. On va donc prendre un nouveau chemin. En effet. Ok, on est de retour au croisement. Cette fois-ci, on va prendre le chemin de droite puisque ceux de gauche, bah c'est bon, on a fait les deux. Alors côté droit, je sais pas s'il y a un deuxième croisement. Je suis pas certain en fait. Je crois qu'il y en a qu'un seul. C'est joli ici en tout cas. Ah. Là ils ont trouvé un objet, ok. Mais pas celui en bas à droite là. Wow.
Ok, une petite source. Ah, deux coffres, ils ont trouvé. Est-ce que c'est un chemin, ça? C'est bien un chemin. Avec un coffre à la clé. Un petit méga elixir, c'est très bienvenu ça. Oula. Heureusement que j'ai mon omnislash. Hein. Ça, ça enchaîne les combats ici, hein. Purée. J'ai quand même eu chaud sur ce combat. Hein. Et bim, encore une de masterisée. Du coup, je vais mettre celle dont j'avais parlé tout à l'heure. Je crois que c'était élément. Voilà. Bah, évidemment, il faudrait la mettre avec une autre matéria, mais bon. Là, je cherche juste à les augmenter. Hein. Et ben un chemin de plus de fait. Bien, on en a terminé avec les chemins qu'il y a dans la grotte nord. Donc ils étaient au nombre de 3 finalement. Hein. J'étais persuadé qu'il y en avait 4, mais pas du tout. Il y a donc 2 chemins à gauche et un seul à droite. On a donc tout récupéré évidemment. Et la seule chose qui nous reste, en tout cas dans l'histoire principale, c'est Sephiroth. Après, il nous reste évidemment l'arme émeraude, l'arme rubis. Alors je me tâte du coup pour savoir... Si je l'ai fait avant Sephiroth, si je le fais après, en termes de level, on peut dire que je suis assez bien. Mon équipe est quasiment morte, je sais. Mais en termes de level, je suis carrément bien pour Sephiroth. Maintenant, je suis pas très loin de maxer les personnages. Entre les pots et les espèces de boules de cristal de Dragon Ball, on monterait 99 très très facilement. Bah, je vais peut-être faire les armes avant, il faut que je réfléchisse. Si c'est suffisamment facile. Bref. C'est la fin de cet épisode, on se retrouve très vite du coup, soit pour les armes, soit pour Sephiroth. Allez, ciao, bye bye!